En débutant ce journal par le conflit en Ukraine, plusieurs explosions ont été signalées à Kiev alors que l'offensive de l'armée russe vers la capitale du pays s'intensifie. Le maire de ville a imposé un couvre-feu jusqu'à jeudi. Les services d'urgence disent que les deux personnes ont été blessées dans des attaques contre des bâtiments résidentiels pendant la nuit. Les batailles continuent également de faire rage dans des villes comme Mariupol, Kharkiv et Mykolaiv. Pour sa part, la Russie fait état de bombardements par l'armée ukrainienne dans des républiques autoproclamées du Donbass et nie avoir ciblé des civils dans son opération. Pendant ce temps, les pourparlers de paix devraient reprendre mercredi, les deux parties affirmant qu'il y a place pour un compromis.